tout le monde. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire les constructions des maisons des oiseaux. On avait fait... Regardez, nous avons ça, des scies et un marteau. Et là-bas, la mangeoire des oiseaux. Papa a préparé les planches et nous allons découper les planches avec la scie. Papa a découpé les planches et voilà ce que ça fait. Voilà, ça a fait ça, un trou pour que les oiseaux rentrent. C'est qui a fait le trou? C'est moi. Bien sûr, le sol, il n'est pas encore mini le toit, mais ça va arriver. Et il est où le? Avec quel outil t'as fait le trou? Avec ça. Et ça. Voilà. Donc du coup, ben, on a presque terminé. Bon. Je suis pas sûre qu'on pourra faire la deuxième maison aujourd'hui, mais on pourra. Mon père a mis les vis et maintenant je vais enlever le scotch et les élastiques. Ah, c'est dur. Attention, c'est un peu dur, hein. Voilà. Alors, maintenant je vais enlever le scotch et enlève avec le couteau. Voilà. Alors, et là, nous avons une maison, bon, on voit à travers. Hein. Pose le couteau. On voit. En fait, on a oublié de mettre le toit. Enfin, on n'a pas oublié, mais on n'a pas mis le toit et le sol, mais ça va arriver, ça va venir. Je vais fixer le sol sur le corps de la maison. Sur le corps de la maison et c'est fixé. Voilà. Donc du coup ça tombe pas, quoi. C'est un peu logique. Voilà. Et là, nous allons attaquer le toit. Je vais découper la planche pour le toit. À fond. Mais papa! Voilà. Et tu le tiens bien à deux mains. T'as pas besoin de faire ta planche. C'est pas grave. Attends, 2 secondes. On va la bloquer un peu, d'accord? Là, je vais découper le toit. Allez. Pour... Non. Mets en marche à fond. Voilà. Tiens-la bien, allez. Tiens, filme-moi. Prends le relais, filme-moi.
Regarde. Tu filmes mieux que ma mère, hein? Oui, là, je suis en train de filmer ça. On va finir à la main maintenant. Ah. Mais hey, tu peux filmer. Regarde. On avance un peu. Recule-toi. Recule encore. Que tu puisses me voir en entier ou je sais pas, mais. Dis bonjour à la caméra. Salut. Bon, là, nous sommes en train de découper le toit. Hein, pour après le fait. Moi, j'avais trop peur. Regardez, au début, on a commencé avec la ponceuse et maintenant, on finit avec la scie. La big scie. Oh, t'as joué, t'as T'es sérieux, là, papa? C'est tout coupé la tête. Vas-y, fais-le, maman, elle voit ça, elle te défonce. Allez, arrête l'enregistrement. Bon, allez, goodbye. Alors, maintenant, on va faire des trous pour fixer le toit. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais papa là c'est descendu. Jusqu'au bout. Appuie sur le sommet de la perceuse. Voilà, là c'est bon. Allez, le deuxième trou. Ah bon? Voilà. Je vais mettre les vis. Je sens les petites vis des poils. Mets pas les doigts. Le trou, deuxième partie. Le trou, deuxième partie. Parce qu'il avait un peu foiré l'autre. Voilà. Maintenant, je pose et je vais mettre ceci. Avec le marteau, tu tapes un peu dessus. Et tu le tiens. Tu le tiens avec une main et tu tapes doucement dessus pour l'enfoncer. Oh, c'est bon, là.
fonce encore un peu. D'accord. C'est pas comme ça qu'on tient un marteau. Ah, mais ça fait. Tu le tiens? T'as pas peur que je te tape sur les doigts, hein? Non, 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 non. Je le tiens. Est-ce que vous savez? Là, ça va? Trois quarts d'heure plus tard, le canard était encore en vie. Il n'est pas enfoncé ton truc là. Quoi? Mais t'es sérieux là? T'as envie qu'il disparaisse? Voilà, là c'est bon. Tu permets? Lève les mains. Non, non, arrête! Mais je te tape pas dessus. Regarde. Bon. Voilà. Et là il est fixé. Regarde, il bouge plus. Ah là, je le soulève. Bon, maintenant, nous allons le mettre. On la regarde. Où est-ce qu'on l'accroche? Est-ce que, à ton avis, on le met dans ta chambre? Non. Pourquoi? Il ne peut pas se poser. Ah. Donc on va trouver un endroit sur la terrasse pour le mettre. Hein. Nous allons. Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Bon, les oiseaux ne pourront pas le mettre pour la guêpe. Il n'y a pas de guêpe. Où est-ce qu'on peut l'accrocher d'après toi? Bon, on va réfléchir et on montrera après ce qu'on a choisi comme endroit, d'accord? Oui, d'accord. On a réfléchi et on le met là, le truc, la maison à oiseaux. Sauf qu'il faut espérer qu'il y a des oiseaux qui viennent et pas des guêpes, parce que sinon c'est un peu embêtant. De toute façon, on pourra prendre l'anti-guêpe et mettre dedans. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je veux 20 likes à cette vidéo parce que plus je fais des vidéos et plus ça augmente. Donc du coup, ben voilà. Et puis, au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.